Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur, vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao! Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis avec mon poteau Une Vie. Il est avec moi dans la vidéo. Il a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le petit logo s'affiche juste ici. Ah, ben et merci. Le lien est dans... Ta gueule, j'ai tu pas fini de parler. Je n'ai pas fini de parler. Tu n'as pas oublié le logo. Il y a le logo, le fameux logo. Et le lien est en description, donc n'hésitez pas à aller voir un peu sa chaîne YouTube. Il fait des lives, il fait du Fortnite, il fait des pranks, il fait des caméras cachées, il fait un peu de tout. Voilà, il fait de tout. Bref, aujourd'hui les gars, vous savez qu'on est en pleine crise de coronavirus et vous savez qu'il y a un marché parallèle de gens qui vendent des faux passes sanitaires. Alors quand je dis des faux passes sanitaires, c'est pas juste des faux passes sanitaires pour être tranquille, c'est des faux passes sanitaires. C'est-à-dire que c'est des gens qui vendent des choses comme quoi c'est du faux alors que c'est déjà du faux. Ça veut dire qu'en fait, même si demain on achète des passes sanitaires comme ça à des mecs comme ça, ben, le pass sanitaire ne sera pas bon parce que le mec vous a vendu un faux, il vous escroque à vous. Et moi, je suis tombé sur deux annonces, on a cherché avec le frérot, on a trouvé deux mecs qui vendent sur le bon coin, les gars, accrochez-vous. L'annonce elle est pas restée longtemps parce que ça a été vite banni, mais on a réussi à choper leur numéro et on va les faire venir au même endroit tous les deux pour un peu se foutre de leur gueule, tout simplement parce qu'on sait très bien que c'est des arnaqueurs et en plus c'est pas légal. Ouais, c'est dangereux, hein, surtout que c'est dangereux. Donc les gars, moi je dis ne vous amusez pas à faire des trucs comme ça. Là, on va faire venir deux escrocs qui ont mis une annonce sur le bon coin comme quoi soi-disant ils vendent des faux passes sanitaires et on va les faire venir au même endroit les deux en même temps. Donc je pense que ça va être très électrique. Donc là, on va les appeler et on va leur donner rendez-vous. C'est parti. On va appeler le premier mec qui vend le pass sanitaire. C'est parti. On met le haut-parleur. Allez, on appelle. En espérant qu'ils répondent. Ouais. Laisse-moi parler. Oui, allô. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour l'annonce que vous avez mise sur le bon coin. Oui, dites-moi, il y en a plusieurs. Concernant le pass sanitaire. Pour le moment, il est à 350. 350. Ouais. Ok. Allez, je vous envoie l'adresse par message. Dans d'ici quoi, une heure, ça vous va? Oui, ça va. Ça va, c'est bon. Allez, impeccable. Super. J'appelle. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle concernant l'annonce que vous avez mise sur le bon coin. Oui, laquelle? Celle sur le pass sanitaire avec le QR code. Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, mais ça va. Ben, je vous envoie l'adresse par message et vous me rejoignez dans une heure à peu près. Ok? Allez, c'est combien le prix déjà? 400. Oui. Allez, ça va, ok. Bon, ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir, merci. Bon, on va leur envoyer l'adresse. Le caméraman, il va se cacher quelque part et on va les faire venir en même temps. Ça va être drôle, ça. Ça va être rigolo. Ça me rappelle une. À part 610, 610 sera pas drôle. Ah ouais, non, c'est clair. On va les attendre et on va filmer dès qu'ils arrivent. Il y a un mec derrière, c'est lui ou pas? Je sais pas, en vrai, tu crois? Après, comme il y a la piscine derrière. Ah, mais la piscine, elle est fermée. Bonjour. Bonjour. C'est vous pour le. Pour le pass sanitaire? Ouais. Voilà, désolé, j'ai du mal pour le nom. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bonjour. Bon. Ouais, ça va, impeccable. Alors, justement. Nous, il nous faudrait. Toi, tu en veux un pass sanitaire aussi? Ouais, il m'en faut un, moi aussi. Ok, d'accord. Ouais. Bon, le prix, c'est 350 euros. Ouais, et si on en prend deux, on peut faire. Ça vous fait 700 euros. 700 euros? Ouais. Mais ça craint pas, ça, au niveau de la qualité? Ouais, comment ça se passe, en fait? Parce que. Bah, en fait, nous, on passe partout après ça. C'est quoi, on a un QR code? Comment ça se passe? Sur le QR code que je vais te passer, le papier. Bon, du coup, il va falloir que je te le réimprime. Ouais. Tu me donnes ton nom, ton prénom. Ouais. D'accord. Toi aussi, tu me donnes ton nom, ton prénom, ton âge, ton numéro de sécurité sociale. Si on a le pass sanitaire avec le QR code. Attends, il y a le mec qui arrive. Ah ouais. Donc, s'il y a le QR code avec le pass, on peut aller partout, c'est ça? D'accord. Bar, cinéma, resto. D'accord, ok. Bonjour, c'est vous pour le pass sanitaire? Yes, c'est nous. Ça va, vous allez bien? Salut, ça va. Ça va, bon? C'est quoi le. Non, parce que monsieur, il vend des pass sanitaires aussi. D'accord. Et du coup, ben, on vous a fait venir tous les deux pour voir, pour être sûr quoi, qu'on n'achète pas n'importe quoi.
Vous vendez les passes donc? Moi, je passe une tête au téléphone. Vous pouvez vous booker directement. Avec une application directement que ça passe nickel. Là, c'est plus anti-Covid, c'est ça? Plus anti-Covid. Ah, ok. Voilà. Toi, c'est quoi tes tarifs en fait? Ouais, déjà, voilà. Moi, c'est 400 euros parce que c'est premium. Hein? 400 euros? Premium. Alors, je précise premium, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de fiches, pas besoin de papier, rien du tout. Pas besoin d'aller au rendez-vous en fait. Même pas, vous juste vous le passez avec votre téléphone, ça passe. Comment est le numéro de sécu, tout ça? Voilà. Comme monsieur là. Je sais pas ce que c'est comme ce que lui fait. C'est ça, je ne veux pas savoir, moi je vous dis ce que mon cas moi. Ouais, mais vous c'est plus cher, c'est pour ça qu'on demande. Moi c'est plus cher parce que c'est le premium, en même temps, pas besoin de papier, pas besoin de prendre un papier. Vous juste vous le passez, c'est terminé. Sure. Ah, c'est quoi ça? Eh bien, ça c'est un faux. C'est un faux? C'est un faux. Ah, dites-moi en quoi c'est un faux. Faites voir, ça, est-ce que je peux voir moi? Ça c'est un faux. C'est un faux, monsieur. Ben, ça a l'air d'être correct. Hein. Ouais. C'est le vote, c'est ça? Non. Donc, du coup, je sais comment vous appelez tout maintenant. Ah. C'est pas grave, j'ai rien à cacher au moins pour vous dire comme quoi je suis quelqu'un d'honneur. Ça, c'est, j'avoue que. Ça a l'air carré ça. Non, ça c'est propre. Vraiment, c'est propre parce qu'il y a son nom, son prénom, avec le QR code et tout là. Même regarder l'adresse si vous voulez. Puis moi, le papier quand même, sur papier, ça met plus. Ça fait plus sérieux quand même, tu vois. C'est vrai que là, il marque un point, le monsieur. Ah ben, vous allez là, et là directement, vous avez le QR code qui s'affiche, et vous le faites donc. Du coup, on a le prénom et le nom du monsieur aussi. Ouais. Moi, ça me dérange pas, je n'ai rien à cacher non plus. Moi, ouais, c'est un peu illégal. Non, mais c'est un peu illégal. Moi, personnellement, non, c'est sur un téléphone. Il n'y a personne qui le sait. Mais vous venez de me proposer un pass sanitaire. C'est illégal. Je propose à vous, mais personne a de contre moi. Vous avez mon numéro de téléphone, mais personne ne peut savoir que c'est moi. Bon, bref, toi, tu le vends combien? 350. Ah, mais moi, je vous propose à 340. Attendez, je suis pas à 400. Je suis pas à 400 parce que le collègue, vu que lui, il veut faire le grand, il dit que lui, c'est mieux que moi. Eh bien, moi, je vous dis la vérité, à 340, je vous le laisse. Vous savez quoi, 300 euros, je vous le laisse. Putain, on a bien fait de mener les deux. Hein. Putain, on va faire ça tout le temps, même pour acheter une voiture. Combien? Et moi, je vous en prenez deux, je vous le fais à 500. Oh, 500, oh, c'est des presque moitié pris. Hein. Ah ouais. Oh, on a des méchants rabais. Ah ouais. 200 euros, c'est vraiment. Les deux? 200 euros, les deux. Attends, là, c'est 100 euros chacun, on est bien. Ah ouais, là, frère, c'est incroyable. C'est vraiment cadeau ce que je fais. Moi, je serais ta vélu. Ah, comment ça, 200 euros? 200 euros? T'as cru que t'es la vente aux enchères ou quoi? Cool, tu as ton truc. J'ai mon truc, d'accord? Mets-toi ton truc. Eh ben, tu sais quoi, 150 euros, vous le faites. Mais deux! 150 euros les deux! 75 euros chacun, frère! Oh, vas-y. Excellent! Ouais, je suis nerveux, là je peux pas faire mieux, je suis désolé. Bon. Merci, ouais, impeccable. Allez. C'est mon pote! 50. 50 euros, je vous le fais, par personne. 100 euros chacun. 100 euros, C'est bon. Allez, impeccable. Je suis bon. Moi, je serre la main à vous. Moi, je vous serre 15 euros les deux. Ah, gratuit aussi, non? Non, pardon. 100 euros les deux. 75 euros les deux. 75 euros les deux. C'est-à-dire 75 en tout. Ouais. Pas de rappel. Ouais. Donc tout consiste à être tout fait. Même si vous faites par exemple entre 3 et 4 injections, vous gardez mon numéro, vous avez vu mon adresse. Ouais. Je peux vous même vous le donner. Il n'y a aucun souci. Ok. Et vous, une question hein. Ça me fait 40 euros. 40 euros. Ah là ça va. On va arriver à l'avoir gratuit, je te l'ai dit. Moi je prends des risques. Je vous le fais, mais ça me fait prendre des risques. Combien? 40 euros? 40 euros les deux. C'est pas cher. Par contre, nous dis pas qu'il y a des trucs à ajouter après, de l'argent. Il n'y a pas de trucs à ajouter. 40 euros les deux donc? Et c'est qui? C'est qui? Je vous le fais à 39,99. Et ça, tu veux pas qu'on vous. Sinon, tant qu'on y est. Bon, 39. C'est quoi, je vous le fais à 35. Moi j'ai des sous là. 35, vous me voyez? 35, c'est bien. Allez, ça va. Ah, c'est quoi? 25. Oh, 20, privé. 20. 12,50€. 15. 10. 5. Et moi, je peux pas y jouer, j'ai pas voulu. Pour gagner des sous. 10 euros? 5 euros. Allez, vas-y, un paquet de cigarettes. 5 euros. 5 euros. Non, mais là, je le crois pas, moi. 5 euros, n'importe quoi. Ouais, c'est bizarre. 2 ou 5 euros, oui, monsieur? 5 euros. 5 euros les deux? 5 euros. Les deux? 5 euros. Les deux. Ah, tu veux pas. Ouais, voilà, vas-y. Qu'est-ce que tu veux pas prendre un bout d'olive aussi, tant qu'on y est? Vas-y, ferme ta avec ton cœur. Eh, mon pote, je prends à 350 euros avec une tige papier. Mais gros, tu peux pas faire 350 euros comme tout le monde. Mais moi, c'est un premium, mon pote. Mais moi, c'est un premium, espèce de trou. Mais qu'est-ce que c'est prénom, ça existe même pas, c'est comme si je te disais j'avais la carte Vital Gold. Bon vas-y SCH, rentre chez toi. Eh mon pote, moi je fais quelque chose. Tu ressens pas une tête d'olive au moins. 350 euros, qui est une tête d'olive? Toi tu as une tête d'olive mon pote, tu as une tête d'olive, tu as une tête d'olive. Ça va, c'est pas grave. Mais mon pote, tu l'as encore rendu un tender, c'est pas chez KFC, c'est pareil mon pote. Bah attends. Pourquoi je le prendrai à toi et pas à lui? Mais parce que moi c'est fait dans les règles. Mais lui aussi. Mais moi c'est un pass premium, truc premium. Moi je te l'ai fait à 10 euros. Toi t'as. C'est un truc sur le téléphone. C'est un truc sur le téléphone. 10 euros. C'est une application, tu passes. C'est terminé, tu n'auras pas de problème. Sur le papier. Sur le papier, c'est dit qu'il pleut. Tu te prends dans la poche ou quoi? Tu as tout perdu. Mais là il a dit 5 euros là-bas. Ouais, 5 euros et en plus il vient de. Je n'ai rien à faire, franchement.
Ah vas-y, moi 5 euros. Comment ça 5 euros? Je crois que c'est une bonne conversation, je suis troisième avec mon collègue. Problème, dans 5 euros, j'avais les dingues. Alors, et mon pote, vas-y, mon frère, ramène ta voiture, casse-toi. Non, tu sers à rien, le sang. Mais tu sers à rien. Non, les gars, ça sert à quoi, toi? Mais moi, je sers à quelque chose, moi. Oh, mais les gars, pas le crédit, oh, mais ça va, c'est un activé, là. Tu vois que ça, c'est casino, le sang. Je passe pas, Mais ils ont même pas capté quoi. Vas-y, vas-y, on stage là. Même pas une voix avec les buissons. C'est des gars, c'est des Mongoliens. C'est des Mongoliens. Yo, c'est taille. Donc voilà les gars, nous comme vous avez pu le voir, on s'est taillé, on est parti avec, ouais, avec une vie parce que les mecs ils sont embrouillés, ils s'embrouillaient tellement qu'ils ont même pas remarqué qu'on est parti alors qu'ils étaient venus pour nous à la base. Ouais, ouais. Ils sont venus pour gagner de l'argent, au final ils ont bradé leur truc, ils se sont embrouillés et en plus on est parti, ils l'ont même pas vu. Franchement c'était une vidéo à mourir de rire. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est de ne pas faire de faux pas sanitaires. La vaccination c'est un choix, si vous avez envie faites-vous vacciner, si vous n'avez pas envie ne vous faites pas vacciner. Mais dans tous les cas, si vous ne le faites pas, n'allez pas faire des trucs illégaux, vous n'allez pas acheter de faux pas sanitaires parce que ça craint, vous pouvez aller en prison, etc. Franchement c'est pas le truc à faire, il y a d'autres solutions et je pense que voilà, après chacun il a son avis, mais surtout faites attention, n'achetez pas de faux parce que ça peut se retourner contre vous. Voilà. C'est trop risqué ça. C'est trop risqué. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de mon frérot Une Vie avec son petit logo. Et le lien est en description si vous ne trouvez pas sa chaîne. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui en tout cas on a bien rigolé. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo, comme d'habitude, depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc merci aux plus fidèles. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 800 000 sur la chaîne, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à vous abonner et en route vers les 1 million. Le trophée. Voilà, le trophée des 1 million. Trophée en or. Gros bisous à tous les amis et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.